bonjour, bonjour à toutes, avec plaisir que m'y retrouvez ce matin pour se causer la réunion en direct depuis Saint-Pierre. Excusez-nous un petit peu de la qualité technique pour ce matin. Et puis pour dimanche, j'ai eu un petit souci avec Internet et la machine. Donc, elle n'a pas pu faire les dédicaces. Elle m'a gardé ce bon message. On aura l'occasion de lire ça et de donner à ça la prochaine fois. Ben, voilà, donc c'est des aléas qui arrivent. Hein. C'est des choses que nous ne pouvons pas vraiment prévoir. Donc, nous va commencer se causer la réunion. Là, de la remarquer. Un petit peu le déco dessus. Bon, on va faire avec. Hein, tracasse pas le temps que nous techniciens règlent ça. Et nous aurons l'occasion de revenir dans de meilleures conditions demain. Alors, que ça nous va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la sécurité routière. Sécurité routière avec quand même 192 infractions qui ont été relevées par les bonnes gendarmes sur deux jours. Alors, samedi 21 août et dimanche 22 août, nous avons eu quand même pas mal de choses qui vont se passer. Hein. Et puis, les contrôles prioritaires pour Banna, l'été quand même des... là, tu vises beaucoup des personnes qui boivent un bon peu sur la route, des trucs de drogue, tout ça. Donc voilà le problème sur que l'a eu ce machin-là sur la route. On a oublié mon lunette, excusez-moi, le temps que m'y prend ça. Il arrive avec en essayant de trouver la solution du machin et donc l'oubli de lunette, donc matin de maille, un peu grand matin. Donc nous revient dessus avec les... Il arrive, les gars, il arrive. Avec des contrôles qui ont été faits dans le secteur de la gendarmerie, avec les services réalisés, tout ça, il y a eu 29. Et sur ça, il y a eu 192 quand même d'effractions avec des retraits de permis. Comme d'habitude, le nombre d'alcoolémies était assez fort, une dizaine à peu près. La conduite sous l'état de stupéfiants, hein, tout ça, il y a des véhicules qui ont été mis en fourrière administrative. Et puis là, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites. Et bien, les histoires, c'est que à chaque fois que nous reçoit ces bonnes communiqués-là, c'est des infractions qui sont un peu bêtes, hein, qu'on aurait pu éviter pour ne pas en retrouver à nous avec des amendes à payer. Donc voilà, beaucoup de personnes ont été verbalisées malgré la crise du Covid-19 ou ça. Bon, ben les gens étaient, la distanciation était de 5 km là entre le dimanche et puis le samedi, pas bougé, il reste à 10 km, voilà. Mais j'espère que ces personnes-là vont réfléchir pour la prochaine fois. Il a eu des problèmes comme par exemple, Zot a fait enlever Zot PMI. Et aussi les défauts de contrôle technique. Et puis, il y a une affaire comme il dit aussi, c'est les défauts de port de ceinture. Défauts de port de ceinture. Ça, c'est une affaire qui devrait venir automatique. Hein. Tous les gens qui passent le PMI, première chose du monde à Zotte, c'est mettre la ceinture, que ce soit de Mundo, qu'on arrive ici à La Réunion pour faire ça. Nous on a aussi 9 défauts de contrôle technique et puis il y a quand même d'autres infractions. Ça ne va pas citer trop, parce que la liste serait assez longue. Nous, on a eu des manifestations du côté de Paris, là-bas du côté de la France. Nous, on a eu aussi des manifestations du côté de La Réunion et ces manifestations, ça va de plus en plus avec des mots assez durs parce qu'on a vu dans le journal de causer de banasses, de mots, tu parles de nazis, de collabos, d'étoiles jaunes, d'apartheid, des mots comme Banas dit dans le journal que l'a marqué l'histoire et donc traiter ces bonnes bougues qui gèrent au gouvernement de ces noms-là, apparemment Banas trouve que les pas trop gaillards. Traiter une personne de nazi, veut dire il a participé aux chambres à gaz. Il a tué un tas de moon, donc il a eu quand même pas mal de affaires là dans ces histoires de passes, les antipasses sanitaires. Avec des banderoles qui fleurissent un peu partout dans ce que le journal dit à nous. Et donc, racisme, tout ça, les en dedans. Et puis, nous avons aussi les gilets jaunes, la fait cette apparition quand même dans ces manifestations-là. Qui sait, peut-être on aura la prochaine fois d'autres cas de personnes qui font les gilets jaunes, hein, donc venir dedans. Nous on a aussi, nous allons aller vite fait là avec en Australie, l'Australie avec 200 arrestations. On a aussi fait des manifestations en Australie avec pour ces histoires de Covid-19, pour ces histoires de reconfinement, tout ça. Hein.
Et bon, on a plus de 200 arrestations, les bonnes protestataires, là, je les compte qui, compte le prolongement du confinement jusqu'à la fin septembre. Donc là-bas, je ne vais pas non plus en Australie, et donc là, poids casse avec des amendes, tout ça là. Et dans des pays, là, c'est dur, dur quand même, hein, comme aux États-Unis, comme par exemple l'Australie, là, donc si ça fait des manifestations, on a intérêt à être bien en règle, parce que maintenant, je ne vais pas là-bas. Ici, en France, voilà, et un petit peu doucement, doucement, bon, là-bas, voilà, les affaires. Nous, on est là aussi en Polynésie française, nous allons de l'autre côté là-bas de la planète avec des bonnes écoles qui ferment à partir d'aujourd'hui en raison de la flambée du Covid-19. C'est le président de l'archipel Pacifique que l'a annoncé ça, Edouard Fritsch, dans le cadre d'un durcissement du confinement qui a été prévu pour 2 semaines. La Polynésie française, là-bas, surtout la Nouvelle-Calédonie, là-bas, là, au tout début, là, elle a bien joué le jeu, puisque elle a bien fermé toute cette bonne frontière. Mais malheureusement, on est là, des cas de Covid, là, apparus, et là, elle est venue, poids casse un peu dedans. Donc, là, ils ferment les bonnes écoles, là. Et puis, le Covid ou les autres maladies, quand elle est sur la planète, elle est un peu compliquée pour dire que ça y arrivera pas dans tel ou tel pays, puisque, bon, le virus, il est invisible, hein. Il suffit que quelqu'un l'a attrapé il vient chez vous, ou sinon ça va dans un pays. Il suffit d'un cas pour contaminer des dizaines et des dizaines de cas. On l'a vu avec les histoires de Covid-19 là. Et puis sur ces histoires-là, sur ce Covid-19, là, on a vu aussi que le pays originaire du Covid-19, hein, c'était la Chine, hein, où ça là, les affaires ont débuté. On n'est pas trop trop d'accord, hein, donc pour donner des renseignements en plus. Et si nous repart un petit peu dans l'histoire du Covid-19, c'est que bien avant la Chine, aux États-Unis, on avait découvert des cas de Covid-19. Bon, mais ça l'a pas trop dit parce que peut-être n'avait pas trop trop d'importance. Mais du coup, du côté de la Chine, là-bas, voilà, il a bien réveillé d'un seul coup. Hein. Le Covid, m'y rappelle, pour certains, c'est une forme de grippe, hein, d'après ce qu'il dit. Hein. Moi, pas scientifique, hein, je veux dire, moi, comment a dit ça, comme ça. Donc, moi, d'après les informations que m'y gagne, donc, midi azote, m'y fait profit azote. Donc, apparemment, le Covid-19, c'est une grippe, hein, mais une mauvaise grippe que l'a évolué un petit peu plus vite que les autres grippes, hein, les grippes que nous n'a les mettre vaccins tous les ans, ils donnent à nous. Bon, voilà, là, elle a bien poids qu'azote un goût, elle a bien donné azote paquet en dedans. Voilà pour les affaires là. Et puis, nous allons aller du côté de Marseille. Marseille, trois bougues, les connus pour trafic de stupéfiants, ont été tués. Alors, ces trois bougues-là, bon, deux étaient probables, c'était les deux des. Probablement des règlements de compte hein, là-bas samedi du côté de Marseille. Ah, ben, c'est dimanche, non, c'est ça dans le journal. Donc le trafic de drogue, il y en a aussi ici La Réunion, hein, ailleurs aussi, et ça, ben, vous voyez, ça, ils ramènent quand même des morts un petit peu partout. Nous va aller du côté de Kaboul avec, tu connais bien qu'en Afghanistan, on a des gros problèmes depuis que Joe Biden l'a décidé de dire qu'il arrête un coup de dépenser des milliards et des milliards là-bas pour la paix, en pseudo antiterroriste, hein, parce que Zotkozala avait attaqué, c'était à l'époque de Ben Laden. Donc Ben Laden qui avait fait des attaques terroristes un peu partout sur le territoire des États-Unis. Donc les Américains les venus, donc Zola tué le Ben Laden, mais après, il me dit comme ça, Zola chef resté dans le pays pour justement gérer le terrorisme. Bon, gérer le terrorisme, n'a pas vraiment trop trop géré, vu que dans le monde, il y en a toujours ces affaires-là. Donc, Kaboul, course contre la montre pour là-bas du côté machin, hein, de l'Afghanistan, avec des milliers d'Afghans qui tentent toujours, dans le désespoir, de quitter ce pays, de fuir le pays, et Washington, ils mettent azote en garde contre des bonnes affaires, ils disent attention, pas en garde, pas tout le monde gagne là-bas, peut-être un peu c'est la travail pour autres, mais sinon ça, ils mettent en garde surtout pour le flux migratoire qui doit arriver là, parce que voilà, sera pris vraiment dans le baba, hein, donc avec les affaires. L'Union européenne aussi, il dit aussi, hein, donc pour évacuer ces bandes afghans-là, elle est assez compliquée, hein, donc avec les personnes que les menacées par les bandes talibans, hein, voilà, depuis la prise de pouvoir, le pouvoir là. Les bannes, une bonne semaine quand même, hein, elle a pris quasiment la totalité, donc
Les talibans là-bas, hein, ils jouent deux rôles. Hein, donc, du côté, ils ne veulent pas que Zoti ça va. Donc, ils disent Zoti reste à terre là, il faut continuer à vivre dans le pays. Donc, mais bon, on peut y rechecker ça. Et puis, ce que l'a été dit aussi avec les talibans sur le plan international, parce que les talibans, l'a passé dans tous les pays qui entourent le taliban, ben, il a fait camarade un peu avec, hein, donc certainement pour ne pas intervenir jusqu'à ce que maintenant il prend. En compte toutes les de façon que Zoti arrive à prendre le pays en main complètement quoi donc et voilà nous on a aussi les annonces qui ont été faites par les bandes talibans hein. Donc Banal a fait des annonces que les femmes vont pouvoir aller travailler va pouvoir aller à l'école va alléger un peu les bandes va alléger un peu les bonnes lois que les lois la charia. Donc apparemment les gens ils veulent pas ils croient pas hein, donc sur le plan international ils croient pas hein. Banna c'est en plus c'est les mêmes bougs que l'a été chassé des autres pays là-bas aux talibans là-bas que les revenus au pouvoir donc je pense pas que les mêmes bougs depuis des années à batailler avec ça que Banna va changer donc les femmes et les enfants toujours Banna les pris en dedans hein, donc plutôt les femmes hein, Banna il parle hein. Banna dit aussi que les femmes n'auront le droit de travailler mais sur la commission internationale, il y a nous que les femmes vont travailler, non pas dans des postes clés, peut-être enseignants ou dans le domaine de la médecine, mais pas ailleurs. Hein. Donc les talibans, ils ne veulent pas trop mailler là-dedans. Nous va revenir aussi sur l'Afghanistan. Là, ben, il rappelle Azat aussi qu'il a eu plusieurs morts hein, dans l'aéroport de Kaboul là-bas. Hein. Donc les vols commerciaux pour les États-Unis, elle a réquisitionné aussi des vols pour faire rapatrier un peu Azat Moon que l'était là-bas. Donc voilà, en gros, sur le Taliban. De toute façon, on a l'occasion de parler du Taliban. On est un petit peu perturbé ce matin avec ces histoires techniques-là, parce qu'il résonne un peu dans mon oreille là. Donc, il fait au moins un double machin. Donc, vous avez excusé à nous pour la qualité du journal ce matin. Elle est un peu. Il maille un peu ce matin. Désolé, vous autres, pour moi plutôt et pour vous autres aussi. Hein. Donc, voilà, la qualité d'habitude est un peu meilleure que ça. Bon, après, c'est les choses qui arrivent. Hein. Nous allons parler des antipasses sanitaires avec Didier Raoult, la nouvelle figure que Mana écrit bon peu hein, dans les manifestations hein, de sixième samedi de mobilisation. Nouveau slogan, il est apparu dans les rangs des manifestations, là, contre le passe sanitaire, c'est touche pas à Raoult. Alors, d'un tape aux manifestants, là, montre aux autres soutiens aux professeurs qui ne ben, seraient pas reconduits à la tête de l'IHU de Marseille à la rentrée. Hein. Et Banaï dit s'attaquer à Raoult et aussi attaquer à la France. Hein, c'est Florian Philippot, chef des Patriotes, et qu'il était en tête d'un cortège là-bas du côté de Paris, l'a dit ça. Hein. Donc Didier Raoult, qui était sur les lèvres de bon peu deux manifestations, qu'ils soient à Paris ou à Marseille ou dans les autres endroits. Hein. Donc c'est un professeur spécialiste des maladies infectieuses et c'est virologue hein, aussi. Hein, donc depuis des années, donc maintenant apparemment il veut mettre Aïe dehors. Peut-être par rapport que l'IA a bien causé beaucoup hein, pendant toute la crise Covid, nous l'a bien entendu à lui, il a proposé des solutions qui n'ont pas été retenues par le gouvernement. Il est banal à mailler un peu, il est un peu à porte plainte contre lui, un peu insulte à lui un peu là-dessus. Et là, nous voit aussi que quand il ne sort pas dans le sens du poil là, de suivre les personnes que les en face au pouvoir, ben, au risque d'avoir des problèmes, c'est de dire bon, ben, ben là, il risque de mettre des bâtons dans les roues. Dans les roues. Alors, ce qui arrive à Didier Raoult, hein, donc. Je pense que tu connais les équipes puisque beaucoup de personnes y suivent ces vidéos sur Internet et les vidéos les assez bien connues hein, donc lui donnent des explications assez correctes donc il est pas dans le thème banana trop donc s'il y a des solutions ben, la bloque la solution c'est parce qu'il y a des gros business l'argent dessus il y a gros tas d'argent dessus je vais dire. Alors, nous va parler du tous anti-Covid, l'application tous anti-Covid. Beaucoup de monde y pense que Zoti devrait désactiver partout dans la presse, partout dans les dans le monde entier. Ils parlent de ça, hein, de ces bonnes applications que Banaï met. Et nous parlons plutôt de la France, hein, tous anti-Covid, c'est français, ça. Hein. Banaï dit qu'il faut désactiver la collecte des statistiques. Hein. C'est ce qu'il faut faire en règle générale. Hein. Alors, lui détecte les statistiques quand vous voulez par exemple avec quelqu'un enfin il prend des renseignements hein, c'est un petit espion il prend des renseignements et apparemment les renseignements que lui donne que lui prend n'est pas dans la norme du respect de droit des personnes hein, donc
Il peut fouiller un petit peu dans le téléphone, hein, tout ce que ou ça manger restaurant, lui connaît au restaurant, ou la rencontrer quelqu'un, lui connaît exactement où ça, où l'est, quelle place soit partie, où ça, où sort, quelle heure où dort, quelle heure où mange, lui connaît toutes les affaires, comme d'ailleurs toutes les applications, à Paris, tout ça, anti-Covid fait ça. Alors donc, on a beaucoup de monde, ben, il dit, bon, on va peut-être désactiver, ou sinon, ça. Si ça, c'est désactive, c'est pas un souci, hein. Ça passe sanitaire, elle est toujours dedans. Si ça n'a pas sanitaire, ben, là, lui connecte via Internet pour collecter par Bluetooth, les informations à gauche et à droite. Voilà, un conseil que certains y donnent, hein, donc, sur ces affaires-là. Nous aurons bien sûr l'occasion de recoser sur justement les applications. Hein, dans les applications, il faut faire très attention quand on y installe l'application. Elle n'est pas anodin. Hein, quand même, on y installe une application sur son téléphone, c'est pas pour dire que lui installe ça pour faire rien que le jeu dessus ou pour aller récupérer les trucs dans les supermarchés ou les peut-être gratuites, mais les gens, ces bonnes sociétés-là, ils récupèrent beaucoup des informations sur vous. Hein. C'est avec ça aussi, il connaît comment faire des promotions pour Coca ou bien comme qu'il faut. Hein, donc, ou sinon ça, pour vendre à haut des choses. Ou, voilà. Et en plus, on a de la publicité intrusive dessus, des fois, voilà. Donc, si on a besoin de rôder une affaire, bon, je sais pas moi, aller promener. Aller sur Internet là-bas directement et puis désactive les bonnes publicités qui ont mis à Dao et puis vous pouvez aller roder là-dessus. Hein. À moins que vous pouvez aller sur le téléphone. Si vous sur le téléphone, on n'est pas obligé d'installer l'application. On peut aller directement sur le navigateur web, il donne à autant de affaires. Alors nous va passer aussi Israël. Ben, rappelle à Israël au tout début, avec son immunité collective, donc il a ouvert toutes les frontières, il a laissé tout le monde passer, il a fait autrement, parce qu'il dit qu'il n'y avait plus qu'un cas de Covid du tout, et puis rien du tout de l'autre côté. Bon, il a fait n'importe quoi, un peu, mais il dirait peut-être pas n'importe quoi, mais il a fait comme il voulait faire. Et donc aujourd'hui, ben, il est pris dans la quatrième vague de Covid-19 qui arrive chez lui et donc une quatrième vague qui fait mal. Hein. Donc, voilà. Donc, Nenna aussi, ben, là aussi, Israël, avec ce fameux variant Delta, au début, ils étaient quasiment le premier pays au monde à atteindre l'immunité collective. Hein. Donc, j'étais presque crié la victoire. Ben, maintenant, elle est finie. Hein. Donc, ils avaient pris en dedans. Donc, les gens étaient un peu insouciants, ben bon, ben vous connaissez, ben, ils donnent la liberté, vous prenez la liberté, hein. Mais quand même, Nena, 6 300 nouveaux cas en moyenne sur 7 jours là-bas du côté d'Israël, et Nena plus de 578 malades, clés dans un état grave et un taux de circulation clé impressionnant là-bas du virus sur l'ensemble de cette population-là. Et donc, Israël, normalement, lui va tester là le vaccin des 3, les 3-12 ans, hein. Donc, lui veut absolument ces affaires-là. Hein. Nina aussi des campagnes de tests sérologiques en train de faire là, donc, en espérant que les jeunes là, à partir de 3 ans, ils ne savent pas faire Picasso directement. Hein, donc, 3, de 3 à 12 ans, hein, ben, elle est pressée à faire ça. Elle m'avait parlé de ça depuis un bon moment, moi, donc, m'y reviens dessus. Nous va parler aujourd'hui, le lundi, en général, nous parle aussi du réchauffement climatique, hein, avec ce qui se passe dans notre planète. Et quand ce qui se passe dans notre planète, ben, il impacte pas rien que les autres pays, impacte aussi la Réunion. Et la Réunion, elle est en premier, elle est en tête, hein, justement, avec les gens qui crient pour les climatiseurs, qu'il faut climatiser les classes. Là, bientôt, il arrive, là, l'été, là, climatisation des classes, tout ça, là. Et ben, Manadio, ça, c'est une consommation d'énergie. Et c'est un affaire qui fait des émissions de gaz à effet de serre incroyables, là. Donc, la climatisation, c'est l'ennemi de la Terre. Hein, donc, il faut faire très attention. Enfin, c'est un piège de l'humanité, hein, d'après ce que Manadio dit. Hein, donc, voilà. Ou la besoin d'un confort, climatisation, bon, ben oui, aime bien le frais, tout ça là, et après demain, ça manifeste contre le réchauffement climatique. Ben, des fois, il faut poser la question que vous êtes en train de faire là. Donc, soit vous essayez d'arranger la situation, ben, vous essayez pas trop mettre bataille pour mettre la clim partout. Hein. Et puis, le réchauffement climatique, c'est pas simplement la clim, hein, bah, nous on a des immeubles qui montent là, nous on a aussi les projets que le gouvernement il fait à Réunion, fait à 2, 3, 4, 5, 10 000 logements, et quand on fait des milliers de logements aussi, bon, bah, il faut des logements pour la population aussi, hein, c'est ça, hein, nous on prend le choix, mais quand on fait des logements pour la population, on en a aussi, bon, bah, les logements c'est fait avec des murs, la plupart du temps, on en a l'atoll dessus.
Ben, les murs, mais ça, quoi, ça, il emmagasine quand même la chaleur. Ben, il emmagasine la chaleur, il fait un genre de réflecteur, ben, il reflète la chaleur aussi, hein, le pays chauffe. Hein. Après, nous, on a aussi le goudron qui est entouré, le noir qui absorbe un peu la chaleur et qui dégage la nuit. Nous, on a tout ça, on a tous ces trucs-là qui fait que notre planète est vraiment est prise dans le malaisé comme qu'il faut là. Voilà, donc ben c'est vrai que les clims sont indispensables. De toute façon, si on prend une clim maintenant en été, il puis travail, un ventilateur, il souffle à chaud. Hein, donc voilà. Nous va aller vite là avec, nous va donner aux autres quelques collectes de sang là, vite fait là pour aujourd'hui, pour cette semaine. La chef de l'azote cette semaine, puisqu'on a un petit peu de temps là. Il est déjà 6h21 sur Télécréole. Et comme il dit, excusez-nous encore là pour la qualité du son qui sort de l'autre côté là-bas et puis les petites perturbations qu'on a là sur les affaires. Alors pour aujourd'hui, à la mairie du Port de 8h à 13h. Demain, mardi, ce sera à la mairie du Port, toujours de même l'heure, hein, 8h à 13h. Ce sera à la mairie du Port et aussi au IPAU, l'achatoir du côté, le tampon, si on a envie de donner les autres sang parce qu'actuellement, maintenant, elle a besoin du sang pour aider des personnes, pour sauver des personnes, que les malades, les en opération. Et puis, on a du côté de mercredi 25 à Décathlon Saint-Pierre, de 9h à 17h30. Jeudi, à médiathèque Antoine Roussin à Saint-Benoît, 8h, 13h. Le Roi Méalin Saint-Louis, 12h, 17h. Vendredi, la mairie de Saint-André, de 8h à 13h. Et puis, nous n'en a aussi à Portail-Leclerc, Saint-Leu, 17h, de 12h à 17h, puis samedi 28. Si ça, tu veux aller donner notre sang, hein, n'hésite pas. Maintenant, là, on manque de sang, surtout avec les crises Covid, avec les gens que les pris à l'hôpital, les opérations que les en cours, et puis tout ça, bon, il faut donner, hein, 9h à 15h, là-bas, du côté de Portail. Alors, nous va passer Cosmant La Réunion, bon peu critiqueur, petit peu faiseur. Ben, ça, c'est dans la mentalité de Boone, hein, de critiquer et de ne pas faire. Donc, à méditer aujourd'hui. Et puis, nous va passer aussi à la météo, avec la météo qui dit à nous que La Réunion n'est là un beau temps avec un peu couvert. Attends, on va avoir un peu de pluie dans les hauts, hein, donc ça c'est machin. Et puis à Mayotte, beau temps aussi avec un peu de nuages, Maurice, les nuageux ce matin et l'après-midi. Voilà ce qu'osait La Réunion là, pas comme d'habitude, mais dirait l'infini avec son lot de bonnes et de belles choses et de mauvaises choses aussi. Donc, mi donne à notre rendez-vous normalement dans de meilleures conditions d'ici demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Tiens, vous serrez l'arc pas. Merci, bien trouvé.